Eh oui, c'est Clay Tech Pro. Alors, moi j'ai là une vidéo sur le régulateur de Power Meter. J'ai eu parfois qui a des problèmes. Et moi, j'ai un peu de monde qui a pris un nouveau stock là et qui a mal fonctionné. Okay? Le nouveau stock là, c'est que j'ai un pile dans eux qui a mal fonctionné, même les gars parfois qui a fonctionné. Mais il faut que nous évitions lorsque nous avons acheté. Ok? Vidéo aujourd'hui, m'a parlé nous de système solaire yo, et puis tout m'a parlé nous de qui ça qui a fait un inverter prix à varier par rapport avec un autre. D'accord? But you know by qui est important que vous voulez que nous connaissions. Et je voulais que nous comprenions tout. Et en pile fois, nous avons plein pour le système solaire nous qui a mal fonctionné. Batterie n'a pas de charge. Et couche la couche, inverter a été. Batterie n'a pas jamais fait une full charge. Ok. Je dis ça souvent. Il y a un problème qui fait que. Batou pa jam fin full charge et système non toujours ap tombe, c'est parce que ou pa kite batri a pren assez de temps pour le full charge. Parfois ça mande un petit sacrifice pour ça parce que mais ça vous comprenez. C'est que on nous dit par exemple ou même ou gagne par exemple 800 watts par nos solaires installés dans système 12 volts. OK? Ou bien on nous dit 700 watts installé dans système 12 volts. Ou bien frigo de bloquer sous lit, ou bien tout bloquer sous lit qui a fonctionné. Mais en réalité, c'est que nous avons 6 heures de temps que nous avons un bon soleil et parfois une variation, nous ne connaissons pas même pic la même. Ok? Si vous, par exemple, vous avez une batterie chargée et puis vous avez consommé, j'aime pour batterie à vous full là, j'aime pas full comme ça correctement parce que vous avez fonctionné avec lui en même temps il a rechargé. Ça veut dire que vous avez joindre toute énergie ça. Li probable pour pas full. Li probable pour pas full. Mais qui va problème. OK? Maintenant, mais lorsque batterie n'a pas fait une full charge, dans la soirée au service avec elle, il décharge complètement, il décharge complètement. C'est sûr que dans demain la besoin de temps pour le recharger correctement. Maintenant, si que dans demain matin, vous bloquez même appareil sous lit sans que vous pas le temps pour le recharger. Batterie a pas besoin de charge parce que toute énergie solaire là vous et là ou pour le tirer plus fort d'énergie ça pour faire appareil pour vous fonctionner pendant la journée hein. Batterie a pas besoin de stocker assez énergie et dans la soirée là bas même problème non dans demain même bagarre à répéter et parfois ça qu'on crase batterie autour une bagarre qui est important lorsque batterie a pas de charge comme ça c'est faire une journée qui est bien full charge et après observer avec lui. OK, ça vous connaissez que au moins une fois par semaine batterie de full charge, au moins une fois par semaine au moins ou supposé quitter batterie full charge, sinon batterie a craser. D'accord, batterie a craser. OK, c'est vrai parfois il y a des gens qui ont ça dans tête dans maillot, c'est que le fait que il y a soleil il va faire ça au vle, mais non, les grandes limites aux grandes limites. Et pas parce que vous avez des choses qui vous faire sauver. Parce que vous avez une quantité de soleil qui est régulateur à joindre. Vous avez une partie qui peut aller sur la batterie. Vous avez une partie, si vous avez une inverter, qui peut aller sur l'inverter. Ok? Maintenant, si vous avez là, tout ça par le soleil à vous, en fonction de ce que vous avez ou tirer tout. Pas de parler sur la batterie. C'est sûr que le soleil a couché. Boum, il y a un tabétain. Alors, faut que nous évitions ça. Faut que nous évitions ça. Et faut que nous fassions des calculs nous bien. De façon que le système nous marche correctement. Parce que pas de courant, mais pas de DH techniquement. Si nous avons un système solaire, faut que nous bien gérer l'énergie. Pour nous faire une communication 24. Moi-même, personnellement, je suis toujours une communication 24. Minimum batterie privée. Minimum batterie privée le soir. Hein, pour me lever le matin, c'est 12.1, 12.2. Parfois, ils connaissent avec 11.9, mais qui n'est pas facile, dépendamment. Ok? C'est bien chargé. Et
après que mon studio me calcule yo parce que pour battre ma jambe décharge papa jambe décharge net. OK, ça est vraiment important, il est vraiment important pour que nous gérer ça. OK, et un élément qui a fait un prix inverteur varié par rapport avec l'autre inverteur, par exemple n'a vu une inverteur acheter même smart UPS et smart UPS compact et plus sinus. OK, par exemple, bon, il y a les grandes marques et comme et Magnum et Schneider et Zetrex, OK, que nous carrément que prix varié en fonction de qui ça. Nous avons trois catégories de inverteurs. Nous avons un inverteur pure sine wave good qualité. Nous avons un inverteur modifié sine wave et nous avons un inverteur avec onde carrée qui pas tellement servi en réalité. Moi-même, je prends un inverteur modifié avec plus sinus. On nous prend par exemple un inverteur Magnum. Sine. Il y a Magnum sine, il y a Magnum. OK? Et ça, je vais me comparer à Magnum sine là, c'est pure sine wave. Magnum tout quoi, qui pas de sine là suivi, c'est modifié sine wave. Par exemple, yon 2000 watts Magnum sine, livre dans $1,700 américains. Et yon 2000 watts Magnum modifié sine wave, livre dans $1,124 américains. Prix à varier en fonction de en fonction de onde de sortie. Hein. Il y a les ondes sinusoïdales. Ondes sinusoïdales, c'est onde qui plus sine wave, qui même gens avec sortie EDH là. Il y a une inverteur plus sine wave, elle a fonctionné ou pas tant de grondement, ou pas tant de bruit ventilateur là, le met poids sur des kilos, ou pas tant de la gronder. Ou pas tant de ça parce que il y a une onde pure sinusoïdale. Qui différent d'un inverteur avec onde modifiée parfois avec des charges que vous bloquez sur lui, ou tant de la gronder. OK? Alors, c'est ça qui a varié pour un inverteur, c'est onde de sortie surtout. OK? Parce que un inverteur sinusoïdal li coûte plus pour le fabriquer qu'un inverteur modifié sine wave. OK? Mais si que on fait installation pour un bureau qui va le climatiseur ou bien pour l'hôpital ou bien non département qui gagne appareil sensible, li préférable pour mettre un inverteur pure sinus. OK? Li préférable pour mettre un inverteur pure sinus le varier pour système dans ca marcher plus bien. OK, bon, on va montrer nous on plus sinistre salier et on modifier salier ensemble avec moi dans vidéo ça pour nous comprendre qui chaque une café et anti inverteur plus sinistre et inverteur modifié salier. Par exemple, là on va comparer avec deux inverteurs smart UPS plus sinistre et avec compact là pour regarder onde de sortie. OK, inverteur pour aller ouvrir là, il y a la lancer, il y a synchroniser et tout pour aller ouvrir là. OK, OK, yo tout pour aller ouvrir là. OK, ça bon alarme et tension qui est en descendre trop bas lorsque il tape démarrer. C'est parce que nous gagnons pas 2 à 3 inverteurs qui tape démarrer ensemble sous même bande de batterie. OK, ça te dans chuchoter et il dit OK, tension te chuter là il bon alarme. OK, ça c'est plus sinus là, ça c'est et modifier sine wave là. OK, bon moins ouvert 1500 watts là. Mauvais 1500 watts là. La marche là. Et là, nous avons USB. Mauvais 1000 watts là. La marche là. Et moins ouvert 5 kW là. La marche là. Et nous avons une tension sortie 112 volts, 111 volts. Et moi avons pure sine wave là. La marche là. Et tant que soit signant, les moutons avec 115, l'absab avec 120, ça sont plus sinus que lié. L'absab avec 120 normalement, ok, bon, là, l'irrité avec 118 et 119, ok, 120, ok, ça sont plus sinus, ça sont modifié sine wave. Nous parlons de ce qui est entre un inverteur pure sine wave avec modifié sine wave. C'est une question de onde, de qualité inverteur. Ok. Nous avons un multimètre là qui peut me ka permet moi konnen et onde sinusoidale qui sorti au niveau de inverteur. OK, là kounya là nous pral tester avant tout onde sinus et onde sorti au niveau de inverteur 5 kW là. OK, mettez lead noir dans neutre
et mettre les douches là dans phase d'après que on dans sont anti modifié lié. OK, alors c'est ça que yo il est un inverter modifié sine wave. OK, généralement inverter ça yo pi populaire parce que prix au pi bas qui un inverter qui pure sine wave. OK, alors ça sont 5 kW, je pense que n'a besoin dans mes Claytech Pro et intervalle entre 500 jusqu'à 650 dollars intervalle aller. Alors l'in spécial n'a besoin de prix et n'a spécial et dès que nous écrit. OK, ça c'est on modifie ça une wave là. OK, et généralement il veut ça yo très populaire. OK, il est très populaire, il n'a plus une sous marché que un pure sine wave. OK, mais moi j'ai une catégorie plus sinus tout. Alors ça a 1000 watts, c'est modifié sine wave lié tout. Ça a 1000 watts, c'est modifié tout compact, c'est modifié que. OK, et on essaie vérifier 1000 watts là ensemble pour nous voir dedans. Ça c'est 1000 watts là, on va vérifier ensemble pour regarder on de sortie, on va voir que les modifications nouvelles. Bon, là maintenant moi j'ai une dégradation légère, mais sauf que ça c'est un modifié sine wave que lié tout. OK, alors et ça qui vient au niveau de inverter yo, que n'a besoin plusieurs catégories, n'a besoin de sinusoïdal et n'a besoin et modifié sine wave. Généralement on modifie sine wave yo vont moins cher qu'un un inverter à haute puissance. En nous par exemple au niveau de smart UPS 2500 watts plus sine wave là l'in intervalle $520 américains, 2500 watts modifié à l'intervalle $350. Bon, nous avons une idée de prix. OK, alors on a pris que ça c'est puis sine wave, ça c'est même onde EDH bao la la kawa et même lui même au niveau de puis sinus il gagne plus bon rendement, il chauffe moins et appareil fonctionne plus soit plus correct. Et par exemple au niveau de moteur compresseur réfrigérateur, après ça marche plus bien, il frise plus rapide avec un inverter puis sine wave. OK, on va laisser mettre dans prise courant pour me garder moins courant qui entre à n'importe quelle ligne, même forme avec un inverter plus sinus pour une carré différence qui fait que lorsque nous au niveau de plus sinus appareil marche plus soit plus fin sans pas gain grondement là-dedans vraiment. OK, on compare avec une prise EDH. Alors si m'a comparé inverter, OK, là mal nous une prise, bon connecter l'idio, bon connecter l'idio dans prise là pour nous voir que qui ça qui on peut signer, c'est parce que ouais on ça les sinusoïdal, c'est même on ça qui aller sur inverter. Alors inverter sorti, OK, c'est même qui entre dans carré nous tout, c'est on sinusoïdal pur, il marche plus soit plus fin, il gagne un plus bon rendement qui ont modifié, mais généralement ils vont légèrement plus cher qui ont inverter modifié. Alors ni important lorsque on a fait choix des bras de qui on a fait installation pour faire choix entre un inverter plus sinus ou bien un inverter à onde modifié. D'accord, alors pas oublier abonner, partager et like chaque green vidéo. I never thought I'd feel like this.